Il y a 40 ans, la nuit d'Halloween, Michael Myers a assassiné 3 personnes. Après cette horrible nuit, il est retourné en hôpital psychiatrique et il n'en est plus sorti. Tu sais, Frank, je connaissais ce gars. Michael, quand on était enfant, ouais. Est-ce que c'était le genre de petit sadique qui s'amusait à arracher les ailes des papillons? Je l'ai jamais vu faire ça. Il a juste... juste tué sa sœur à l'âge de 6 ans. En chacun de nous se cache une part d'ombre. La plupart des gens savent s'en éloigner. Mais certains se laissent consumer. Michael? Jusqu'à devenir... le mal absolu. Le croque-mitaine viendra me chercher quand je m'y attendrai pas. Un homme avec un masque blafard. Je vois un signe avant-coureur de... Un signe avant-coureur de quoi? De plus graves et de plus importants problèmes. Mais quel problème parlez-vous? C'est un jeune homme extrêmement perturbé. Je voudrais le rencontrer et lui faire subir une évaluation psychologique. Il faut que je lui fasse passer toute une batterie de tests. Vous pouvez lui parler, mais en quoi consiste cette évaluation, docteur? Il ne fait aucun doute qu'il a le cerveau dérangé. Mon fils? Il faut l'aider pour faire ça à des animaux. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? C'est Halloween, on a fait le tour du quartier. Vous êtes toutes seules? Il y a un mec chelou avec un masque blanc qui arrête pas de... Où est-il? Il essaye de jouer à cache-cache avec nous, il croit. Où vous l'avez vu, ce type? Joyeux Halloween, Michael. Michael Myers est toujours en vie. Le mal meurt ce soir. De la réalité. Ses yeux sont les yeux d'un psychopathe. Vous avez entendu parler du tunnel. Celui que l'on traverse tous, tôt ou tard. À l'autre bout, il y a une porte. Et ce qui vous attend derrière cette porte, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Au secours, je suis coincé. Michael s'est évadé. Une silhouette fantomatique qui rôdait dans les rues de la ville.
Un homme avec un masque blafard. Les âmes les plus noires ne sont pas celles qui choisissent d'exister au fond de l'enfer des abysses, mais celles qui choisissent de remonter des abysses pour s'insinuer au bord. Un psychopathe s'est échappé d'un asile de fous. C'était la veille de l'Halloween. Les trois adolescentes rentraient chez elles après l'école.